Hey, coucou mes petits culs, comment allez-vous en ce dimanche matin? Je vous retrouve pour la suite du challenge numéro 3 sur Crooks, The Big Ice. On s'était quitté. Eh bien, j'avais mes deux petites demoiselles ici, hein, et le petit catcheur de mon cœur là, et le Robax qui est bien ici. Ok, c'est bon. Nous allons remettre les infos sur les gardes. Et je ne sais pas quoi faire. C'est merveilleux. En gros, en fait, il faudrait que mon Robax. C'est vrai qu'il faudrait qu'il aille là, mais le mec, lent et faible. Ah, il faudrait que lui y aille. J'avais. Ah non, ça défait ça. Oh là là. Mais ça défait ça. Mais ça, il faudrait, ouais, d'accord, il faudrait un destructeur. Je crois que j'avais déjà vu la dernière fois le coup du destructeur, j'avoue, hein, mais il y a tellement de choses en fait à choper que là, je suis un peu pomax. Et voilà. Ça se désactive ici. Et pour venir là, bah, il faut être là. Mais pour venir là, faut rentrer là. Il faut rentrer là. Oh, punaise. En fait, je suis grave coincée. Je ne peux rien faire. Donc, c'est très compliqué. Non, vraiment, c'était un petit peu complexe. Je m'étais occupée des coins ici. J'avais fait ce que je pouvais dans ce coin-là. La sortie étant là. Mais il va falloir que. Peut-être qu'au lieu d'accéder ici tout de suite, il faut que je fasse quelque chose là. Là, comme ça. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais checker un peu ce qu'il y a à faire pour me remémorer un petit peu et je reviendrai vers vous quand je serai décidé. Ok, donc je me suis fait, je pense, une petite piste pour Rocket et pour le Robax, le petit robot. On va commencer avec Rocket, qui est donc elle. Vu qu'elle peut passer, en fait, j'ai oublié qu'elle pouvait passer les barrières optiques et laser. C'est-à-dire ces trucs-là et ces trucs-là. Barrière laser, elle les passe. Barrière optique, elle les passe. En fait, elle pourrait rejoindre facilement Monsieur Rufus et s'aventurer, elle, ici, défaire les caméras, ouvrir la porte ici, faire pas mal de choses en fait. Et on pourrait accéder ici. Voilà, on désactiverait les trucs. On désactiverait pas mal de choses. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais opter là-dessus. Et puis, on va croiser très fort les doigts. Voilà. Et le robot. En fait, je m'étais dit qu'il allait choper ça. Alors, il peut fracturer cette porte-là, comme il peut en fracturer une autre. Mais de toute façon, avec la caméra, pour l'instant, ça tue un peu. Et il reviendra ici. Et dès que lui reviendra dans cet axe-là, il ira fracturer cette porte-là. Ça, il accédera ici, prendre là, désactiver ça. Il y a quoi ici? Ah ouais, ça, c'est un truc. Ah, mince. Ça, j'ai pas besoin de le faire. Ah, j'ai besoin de le faire pour ça. Je ne sais plus, hein. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Et on va retourner ici parce que c'est les filles qui sont peut-être le plus en danger. Avec les mecs, il y avait celui qui était là, qui a bougé. Je ne sais pas où. Lui, j'ai l'impression qu'il est ad vitam aeternam coincé ici, hein, donc on est tranquille là-dessus. Le mec là, il regarde plus. Celui qui. Ah, il est là. Donc, c'est-à-dire qu'il va bientôt arriver. Ouais, on va attendre alors. On va attendre qu'il passe. Parce que s'il vient là pendant qu'elle est en train de passer les trucs, on est un peu dans le caca. Ah, il est enfin sorti de sa plaie à pièce. Mais il s'intéresse pas à la porte là. D'accord. C'est lui qui inspecte? Je sais plus. Je sais plus où est le gars qui était ici. Ouais, ça doit être lui. Oh là là, moment de vérité, hein. Ouais.
Non, mais je rêve! Quoi? Qui c'est qui est quoi? Ah, lui! Il a vu le trou. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'on a fait le trou, mec, déjà. Donc. Oh là 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 là. Ok. Ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Bon, on va juste attendre un peu. Robax. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Souci. Quoi? Je sais pas, il y a un souci, mais qui c'est? En fait, faut que je me remette. Non, ça doit être lui, non? Je sais plus. Non, lui! Ok. Mais ça, c'est bon, on n'y est pas, donc on s'en fout. On va attendre que lui. Avance, mon petit. Ok. Non, pas de fois. En avant. Tac. On y va. Et tac. Roblo, Roblo. Roblo! Mince, il est là. Ok. Tu peux venir là, du coup? Est-ce que tu peux... Ah, mais il peut pas le faire! Mais c'est trop nul! Il peut pas braquer la porte! Mais ouais, mais alors moi, du coup, je m'étais fait des... Putain, en fait, il peut rien faire, le robot. Il peut pas faire ça non plus, parce qu'il a pas la force. Enfin, je l'ai coincé ici, il peut désactiver les caméras, mais il peut pas... Et il peut pas traverser les barrières optiques, donc il est coincé. Ah, oh, c'est chiant! Bah, il peut aller là. Il peut même pas sortir là. Porte de sécurité. Et ça, tu peux la braquer? Mais non, il peut pas. Il peut pas braquer les portes. Bon, bah, il sert à rien en fait. Il sert strictement à rien. Génial! C'est pas grave. Heureusement que j'ai un plan pour revenir ici. Hein, pour celle-là, c'est pas possible. Tant pis, on va reprendre Rocket. Donc ce sera aussi elle qui va activer. Mais quoi? Qui c'est qui s'excite? Je sais pas. Ça me stresse en fait. On sait pas qui c'est qui parle. Du coup, ben, j'ai peur qu'on se fasse avoir en fait à chaque fois. Donc je disais, elle avait activé pour ouvrir les portes. Ah bah non, mais elle a pas besoin. Vous allez voir comme je suis sous. Je peux venir là. Attendez. Faut que je vois si elle va pas se faire griller. Normalement, c'est bon. Voilà. Nickel! Nickel, 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 ma belle. Alors, tu vas. Parce que lui. Ok. Parce qu'en fait, lui, il est quoi? Il est en armure. D'un seul coup, je me dis, c'est pas forcément une bonne idée de venir là. Le truc, c'est que tu vas te faire choper par la caméra. Donc, tu peux venir là. T'as lui qui regarde là. Je sais pas dans quelle mesure il peut voir ou pas. Hein. Voilà. Ouais. Non, c'est bon, il la verra pas. Faudrait pas qu'il voit. Elle va désactiver quand il tourne le dos. Ouais, pour l'instant. Une petite seconde. Quoi? Quoi? Il est où le gars d'ici? Ah, il est là. C'est encore lui? Non, mais c'est pas possible. On va tourner en rond. Bon, je crois que c'est ça. Bon. On est dans la place. On est dans la place. Je sais pas du tout comment elle va récupérer une clé là. Elle peut pas braquer ça non plus. Mais attendez,
Elle avait plein de trucs. Ils sont passés où? Mais elle avait... Mais what? Elle avait un chloroforme et tout, elle avait plein de trucs. Mais hé, on m'a squeezé des items. Putain, mais le jeu va me rendre chèvre. Il est où le gars? Ah bah il est là. Bon bah elle est vraiment bien placée parce qu'il va jamais la voir en fait. Priori. Salut. Salut. Ah. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est bien. Il faut désactiver ça. Il faut rentrer là. Faut rentrer là. Mais je sais pas du tout comment elle va faire parce que elle va forcément se faire voir. Attends, tu viens là. Parce que le gars, il va forcément regarder à un moment donné que la, il va voir que la porte elle est ouverte. En fait, il y a trois fois le même truc pour ouvrir la porte. C'est un peu bizarre. C'est comme il s'inquiète de ça. Elle est safe toujours. Lui, bah, il peut pas rien, il peut rien faire pour l'instant. Normalement, je suis en voie de désintégrer, défaire ce machin. J'espère qu'elle pourra l'utiliser. Ouais, c'est juste un interrupteur à bascule, c'est pas un truc lourd. Je suis dégoûtée, quoi! Ils m'ont piqué mes trucs et mes items! C'est dégueulasse! Je peux faire ça. Ok, d'accord. Je vais faire ça. Mais lui va pas voir que la porte est ouverte. En tout cas, maintenant, c'est ouvert ici, enfin, c'est accessible. Lui, il a rien vu. En plus, il y a son pif dessus. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Bah, et maintenant, c'est une très bonne chose, mon petit. Je réfléchis. Parce que là, je pense que elle, tu vas prendre ça, ça et ça. Voilà. Parce qu'en fait, il le voit pas. Qu'est-ce qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il est bête, Alouette. Et tu vas pouvoir repartir tranquille, tranquille. Il y a ça, mais là j'ai pas de quoi l'ouvrir, donc tu peux repartir. Ok. Alors? Bah alors tu peux venir là. Enfin j'espère. Non. Non, non, non. Je vous explique parce que déjà là, elle allait se faire presque voir. Mets-toi là. Et il y a lui qui en fait va la voir passer. Donc pour l'instant, je la fais pas avancer. Là, lui là-bas, d'accord, ok. Ok. Bon, je sais qu'elle est rapide, mais quand même. Ok! Ça c'est fait, je les ai tous les trois ici. Le robot n'est pas très loin, mais bon, pour l'instant. Ouais. Alors, la caméra, elle doit être défaite où? Ah, elle est ici. Et lui, du coup, moi, il faut que j'envoie Rufus lui foutre une torgnole. Mais il faut s'occuper déjà de lui. Il résiste aux étourdissements et au chloroforme, mais pas au point de fer. Sauf que j'ai pas le point de fer. Donc, voilà! Je pense qu'on peut filer, oui, à vive allure. Ouais, jusque-là.
et qu'on devra réactiver le truc pour pouvoir avoir accès ici, je pense. Ok, très bien. Je veux. C'est quand vous voulez. Voilà, c'est maintenant. Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça tombe au moment où j'ouvre une porte? Viens pour me faire flipper. C'est toujours lui, hein? C'est incroyable. This is incredible, you know. Incredible. Parce que lui, en fait, il regarde pas en face. Il le verra que quand il refera le tour complet. Donc c'est le bon moment pour pouvoir s'échapper. Pam, pam, pam. Et hop, d'ailleurs, on va commencer à avancer. Ça va barder. Ça va très barder. Je sais pas. Ouais, ouais. Si, donc vous devez venir là. En avant. On y va. Je vous rassure, hein. Enfin, je vous rassure ou pas. Le truc, c'est que je suis pas rassurée moi-même. Vous allez voir comme je suis souple. Ah oui. Alors ? Bah alors, c'est bon. On y... Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Oui. Ok. Ouais. Tac. Oui. Et toi? Toi, à la limite, t'es super discrète, donc normalement, ça se fait nickel. Ok. Ils sont presque tous réunis au même endroit. Avec le robot. Ah, c'est cool. Tu vas réactiver ça. Il s'est passé quoi ici? Voilà, lui, c'est lui qui voit la porte qui est ouverte là. Mais nous n'y étons. Nous n'y sommes plus. On va y arriver. Ah, il y a ça. Alors attendez. Ah, je suis plus moi. Comment désactive ce machin? C'est là. Elle peut le passer. Je vais envoyer la petite. En plus, lui, il rentre, donc c'est parfait. Et lui, il s'en va, donc c'est cool. Donc tu vas venir. Et il y a une caméra aussi. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Porte d'acier. Elle a coffre-fort. J'ai plus grand-chose vu qu'ils m'ont squeezé tous mes trucs. Je vais y arriver à savoir ce que ça déclenche. Ça, c'est ici. Ok. On n'en est pas loin. Mais il faut juste qu'on puisse avancer. Après, si là, il redésactive, ça va activer ce truc-là. Mais ils ne pourront pas avancer pour autant. Beaucoup. Il n'y a que elle qui peut avancer, quoi. Défais-le. Je sais pas si elle est assez rapide pour venir là. Si, c'est bon. Lui, il voit la porte qui se referme devant son pif, il s'excite pas, quoi. Ah bah non, hein, on va pas tout faire non plus, hein, quand même. Alors, maintenant que j'ai elle, elle va pouvoir m'être un peu plus utile. Porte d'acier, mais oui, mais tu vas me dire qu'elle les a pas. Elle a coffre-fort et clé de coffre-fort. Mince, mais quand tout à l'heure, elle aurait pu le prendre, le coffre-fort, ici. Oh, zut. Bon, de toute façon, c'est pas forcément ma mission principale d'avoir tous les trésors. Ah si, quand même, hein, il faut en trouver 12, mais bon. C'est pas grave, il y aura celui-là, je vais le prendre, pas de soucis. Faut surtout que je désactive... là, quoi.
Comment je vais faire? Comment vais-je faire dans cette galère? Parce que soit elle met ses semelles et du coup, pendant qu'il est là, elle fait tout ce qu'il faut ici. Je pense que c'est le plus intelligent. Là, je suis en train de perdre du temps, en fait, du coup. Je suis en train de perdre pas mal de temps. Ah, mais ça ouvre aussi les portes d'acier, ça. Ça, c'est intéressant. Clé de coffre. Donc ça, c'est juste un coffre. Juste un coffre. Tu vas dropper. Je voudrais savoir. Clé de coffre fort, tu vas la mettre là. Tu iras choper ça. Tu reviendras. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps. C'est pas vrai. Quoi? C'est encore le texte dans sa bibliothèque là? Mais j'en peux plus. Le mec, il est monté sur repeat, quoi. Alors. On va faire ça. Je vais même te mettre là. Comme ça, j'aurai le truc des semelles. Tu mets tes semelles. Tes semelles de ninja! Je sais même pas si j'aurai vraiment le temps. Non. J'ai peur en fait qu'il la voie. Ouais, en plus il se tourne du mauvais côté. Mais elle a mis des semelles! Ah non, c'est lui! Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je me méfie du mec. C'est qu'avec. Elle va poser à côté d'un type. Je me méfie comme pas d'eux. Et là, je me fais avoir juste parce que c'est celui d'à côté. Ah non! Mais pourquoi tant de haine? Bah oui, je l'ai pas vu arriver, moi, lui. Ah, mais non, mais elle a déjà ses semelles! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que vous faites là, c'est dégueulasse. Parce que du coup, moi, je perds. Hein. Voilà, bah, j'ai perdu mes semelles. Parce que le gars, il va être là et je pourrais jamais passer. Oh non. C'est dégueulasse. Non, mais je vais recharger là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est de l'arnaque. Alors, avant. Voilà. Ça, c'est très bien. Parce que sinon, je me fais avoir et tout. Je perds l'efficacité des semelles et tout. Donc non, c'est pas cool. Voilà. On est OK. Pouette. OK, celui-là, je le supprime. Je voulais dire venir là. Ah, j'ai pas remis les gardes. Hop. Mais pareil, le gars il revient. Je me pose la question s'il faudrait pas. Parce que le gars il va faire ça. Tac tac. Si elle pose pas ses semelles tout de suite. Et qu'elle aille là. Oh là 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 là. Normalement. Oui.
Wow. Stress. Ouais, il lui reste presque plus de semelles, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas un souci. Voilà, elle les a plus. Il met du temps à l'intérieur, ce con. Alors, je pourrais aller là. Bah, tiens, tu vas y aller, hein. Alors, du coup, là, je comprends rien. J'ai foutu un laser là, et un truc là. Moi, je sais plus ce que je dois désactiver, activer. C'est complètement n'importe quoi. Je sais plus, hein. Porte de sécu. Clé de coffre. Détruites quoi. C'est la première fois que je fais comme ça moi. Ah mais attendez, elle a accès ici à la salle là. Tu vas passer tout de suite. Parce que le bruit va s'exciter, en fait, il va venir là. Remarque qu'ils sont toujours dans la merde parce que je sais toujours pas. Ah bah je vais les foutre là aussi. Celui s'en va. On y va. Donc Peck, vous allez venir là. J'ai pas d'autre choix. Salut. Ok. Donc nous avons une fourche Alors? Tesla. Ouais. Et bah tu vas prendre ta petite fourche. Je peux pas faire ça. Merde. Bah oui. Bah oui, je suis C'est bête. quand vous voulez. Ils ont pas accès à cette salle-là. Il faut ouvrir là. Ouais. Je vais jamais y arriver. Hein. Je vais jamais y arriver, ça Et lui, on peut l'assommer. L'homme est robuste, il résiste aux étourdissements et au chloroforme, mais pas au point de fer. Et je n'ai pas le point de fer, donc je ne peux pas l'assommer. C'est pas vrai. C'est toujours l'hôtel dans ses bibliothèques. Je ne me Comment le stresse pas. savez? En vrai, j'avais le temps. Bon, on dira qu'on la voit pas même si elle danse à travers la porte, hein. D'accord, les enfants? On la voit pas. On ne la voit pas du tout. On voit son bras et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de gigoter comme ça? Mais ça, c'est les années 70, hein. Les années 70, ça gigote. Hein. Ouais, tu peux venir. Pourquoi ça tombe sur moi? Télé. Oui. Ouh là là. Ok. Ouais. On y va. Oui, ça c'est bon, ça les enfants. Ça c'est très bon. Chut. Comment ça? Elle en a pas trois, hein, elle en a que deux. Hein. On a défait, je sais plus quoi, je sais pas quoi, mais on l'a défait. Cool. On est quand même toujours dans le caca concernant ça, que je sais pas comment on doit défaire, mais c'est pas grave. Hein. On a envie de dire que les deux là. Ok. Oh là là. Je ne sais point comment faire. Et lui, en fait,
Ah oui, excusez-moi, il a une plante. Alors il voit pas que le machin il est défoncé. Oh, j'en puis plus. Ça va barder. Ouais. C'est quand vous voulez. Ça va aller. Et toi, tu vas venir là. Pouvoir te venir ici. Et eux, ils vont pouvoir sortir. J'ai même envie de dire. Mais non, mais tu vas pas faire un truc. Tu viens là. Alors? Et toi? Au cas où, dans le. Vous voyez, dans le truc de la porte et tout ça, on n'est jamais à l'abri. Fou, 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 fou. Bon. Attendez, si j'aurais pas dû faire un truc genre Oui. Viens là. Salut. Et toi? Tu vas venir là. Voilà, là ils sont libérés. Voyez? Mais elle peut passer là, donc c'est pas un souci. Voilà. Après, ils peuvent toujours pas passer là. Mais ils peuvent passer comme ça. Mais quoi qu'il y a toujours ce truc d'ouvert, d'allumer. Alors dans ce cas-là, c'est peut-être à lui de désactiver. Je crois que ça va pas marcher. Oh! Ouais, je remets tout en route, tout va bien. Alors, bah non, tu vas le redésactiver. Hein. Ok. Vous pouvez tous venir. On y va. Au moins ça. Et l'objectif, ce sera d'aller là. Et ça, c'est juste une porte de sécu. Et elle, elle en a une. Et elle pourra pas passer. Et une porte de sécurité et lui il a quoi? Une clé de coffre. C'est soit là et elle passe par là, soit elle passe par là et là. Pour ça. Bah oui, on va faire ça. Ah mais il y a la caméra. Donc elle peut pas. Oh putain. J'en fais plus. C'est bien complexe quand même. Vous n'êtes pas confiance quand vous regardez, mais. Et par contre. Ouais. Toi, je peux te faire venir là. Et là. Voilà, ça. Et ça. Déjà, ça, c'est pas mal. C'est ton taf, tout ça, Rufus. C'est quand vous voulez. Toi, bah, du coup, feu. J'avais rien à récupérer de plus. Hein. Clé de sécurité. Oh là 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 là. Ça aussi, c'est un complexe, hein. On va pas me dire, hein. Pour accéder dans cette pièce-là. Faut passer dans ces trucs là qui s'active dans du machin et que là ça s'active aussi. Bon, remarquez, ça s'active toujours de l'extérieur, mais il faut arriver ici. Cocotte, elle peut y aller, elle. Mais comment je fais? Celui bouge pas. Elle peut accéder là. Non, mais y a toujours rien de caméra. Donc ça revient même. Bon. Déjà, donc ça, j'en étais avec elle. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? On va passer par là. Bah non. Bah elle peut passer derrière, dans son dos. Hein. Elle peut passer dans son dos. Tu vas venir là.
Mais non, il va se faire électroc! Moi, je comprends rien. Il le met, il les deux, mais je sais pas. Oui, il l'a mis! Ok. Bon bah venez là tous les deux. Ça va barder. Ouais. Non, mais je rêve. Je sais pas comment faire. Bon, bah, tu vas quand même faire ça du coup, punaise. J'en puis plus. Et là, il y a les fameuses chaussures. Un. Et là, ah mais non, c'est ça, c'est bien. Même si ça a remis elle a relaxé ici en fait. Bon. Bon bah toi tu vas t'occuper du coffre. Tu vas récupérer la porte d'acier. Et j'ai pas la clé ici pour accéder là. Donc ce sera à Cléo de le faire. Ah l'autre il vient là. Il a son cône de vision et tout. Oh ça me tue. Mais barre-toi! Ah là là, quel temps je perds. De toute façon, je pense pas que je réussirai la mission. Hein. Oh là là. Voilà, il en fait un parti. Il faut que j'attende que lui ressorte. Faire ça et tu vas me prendre ça. Du coup, il reste quoi là? Mais ça, il y a toujours ça. Faut que je refasse un truc dessus, je sais pas. Je suis complètement perdu avec leur truc partout. Bah non, ça. Ça réactive. Et du coup, là-bas. Attendez. Ça active. Oh là là. Je comprends rien. Oui. Je pense qu'il va falloir que tu viennes là. Là, tout est activé. Et ça? Alors? Bah non, mais je suis en train de me prendre la tête avec les... Ok. Et il reste que ça. Donc là, c'est là. Ou là. Non, je vais pas y toucher à celui-là. Pourquoi il me met... Ouais, c'est ça, d'accord. Ok, bon bah c'est toi, tu vas refaire ça et tu vas revenir là. Mais non, j'ai réactivé! Mais je comprends rien! Je comprends rien. Je sais pas qu'est-ce qui active et qu'est-ce qui désactive. En fait, je suis en train de me prendre la tête sur ça, alors que c'est clairement pas le plus important. Mais...
Là, je sais pas, en fait, j'arrive pas à piger parce que là, je suis coincée. Mes types, ils sont coincés, je peux pas. Je comprends rien. Je ne comprends rien avec leur truc. Il y a 1, 2, 3, 4 trucs pour activer, désactiver. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui active, qu'est-ce qui désactive. Ah. Ok, bon, on va recommencer. J'ai que ça à foutre, quoi. Perdre du temps. Toujours, ça me saoule en fait. Hein. Perdre du temps pour ça, là. C'est complètement con. Oui. Ok. Et ça, c'est relié. Putain, mais c'était clair, hein. J'avais regardé un. Non, ça n'a rien à voir. Les seuls trucs qui relient ça, ça. Ah si, c'est celui-là. Ouais, vas-y. Non, mais. J'en ai marre, en fait, je tourne en rond. Oh! Mais je me prends la tête pour ce truc, franchement! Ça sert à rien, on peut passer à travers comme ça maintenant. Oh là 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 là, j'en ai marre. Je vous le dis. Et maintenant? Tu vas prendre des munitions. Toi aussi. Tac tac. Oh là là. Oh non, mais là ça me saoule. C'est vraiment trop nul. C'est trop nul de perdre pour ça. C'est trop nul. On bouge parce que tu vois, il va te choper. Voilà. Mais qui c'est qui se tourne dans ce sens-là quand il va, aller... Pourquoi il s'est tourné en regardant par là s'il doit aller par là? C'est complètement con, il n'y a personne qui le fait. Porte d'acier. Il n'y a que elle qui a une clé de porte d'acier et elle peut pas passer. Eh, hey, j'adore ce jeu, mais là, ça me prend la tête. J'en ai marre. Là, j'éprouve même plus de plaisir. Je vous le dis, hein, je trouve même pas de plaisir là. Ça me gonfle. Non, tu vas te faire électrocuter si tu vas. Avec ce machin là, je comprends rien. Je veux pas me prendre la tête, hein, je vous le dis. C'est un échec. Voilà. Je vous remets pas du jeu. Ouais, voilà. Hein, on s'en fiche. Pourquoi ça tombe sur moi? C'est quand vous voulez. Oh, bah viens là. Ok, c'est bon. Et moi, je termine là-dessus cet épisode. Je verrai bien si je continue la mission la semaine prochaine. Parce que là, ça me gonfle légèrement. Je me prends la tête pour des conneries. Peut-être, hein, parce qu'en plus elle a les semelles, mais il y en a qu'une semelle, donc il n'y a qu'une seule personne qui devrait pouvoir passer ici pour aller je sais pas où après. Mais qu'importe! C'est compliqué. Désolée du coup, hein, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour la suite de Crooks, The Big Heist ou d'autres choses sur ma chaîne. Ciao!